فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فايسكنا إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça, c'est le septième séjour contradiction l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est une forme de shirk al-asghar. C'est qu'un démon a la conception que certaines étoiles et dans l'effet l'eau la pluie. Peine à doute, la pluie, c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est le tout seul qui fait la pluie tomber. Peine à une goutte de l'eau, une goutte de la pluie qui descend depuis l'échelle pour venir la terre. Qui profite ban dimoun pour qu'ils gagnent la nourriture, fait ban plante pousser, fait ban la terre mourir et vivre, excepté que ça, c'est une quelque chose qui est arrivé par permission Allah, c'est Allah tout seul qui fait ça. Alors, il y a une conception qui dit que la pluie est tombée par certaines, l'effet de certaines étoiles. Alors, peine à doute, c'est une conception qui contradit la conception islamique. Parce que, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui fait nous connaître qu'il y a quatre petites choses qui, pour dans sa ummat-là, lui font partie de l'époque de Jahiliya. Quatre petites choses qui, ban dimoun, ban musulman dans sa ummat-là, je peux faire. Alors, ça, c'est quatre petites choses qui, ban mouchrik, avant l'islam, dans l'époque de Jahiliya, je peux faire. Lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit premier, c'est qu'un dimoun, lui est fier pour l'honneur, qui une personne fin acquérir. Premier, c'est être fier pour le dire qui une personne fin acquérir. Deuxième, attaque lien familial. Troisième, chasse la pluie avec étoiles. Quatrième, lamenter l'omayat. Veut dire quand Jimon les fin mot, alors se ban proche crier, taper l'estomac, riche cheveux. Alors ça, quatre pratiques là, c'est quatre pratiques qui existait dans l'époque de Jahiliya avant l'islam. Alors, peine à tout ban frère, ban chakena iman, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire qui, ça qu'il se faisait pour exister dans sa ummat, veut dire dans sa ummat là, pour y'a ban djimoun qui prenait ban fausse conception. Pour y'a ban djimoun qui prenait ban conception qui anti-islamique. Parce qu'il fait, parce qu'il croit qu'ils étoiles, l'effet, certainement l'effet, l'eau la pluie, et la pluie n'a pas tombé, excepté, veut dire, pour l'effet de bonnes étoiles, alors ça c'est une conception qui dans l'époque de Jahiliya, ban mouchrik ti, peut croire dans sa quitte chose là. Alors donc, d'après sa haditha, nous trouvons qu'il y a une quitte chose qui n'est pas permissible, parce que c'est un djimoun qui n'est pas réaliste, tawhid, envers Allah. Un djimoun, quand il y a une conception pareille, veut dire, il n'a pas réaliste, tawhid, ça lui peut affecter ce tawhid, lui peut empêcher pour compléter ce tawhid. Alors donc, ça c'est un parmi les conceptions qui amène un démon vers shirk al-asghar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous contre ban shirk al-asghar et aussi contre ban shirk al-akbar et qu'il maintienne nous le tawhid. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.